Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui sera un concours, comme vous avez vu dans le titre. Donc, je fais un concours pour mes 2 ans pour ma chaîne YouTube. Donc là, je filme, nous sommes vendredi, je filme pour la veille en fait. Vous aurez cette vidéo demain, le 11 juin. Donc voilà, demain, on est le 11 juin et ça fait 2 ans, jour pour jour, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Quelle belle aventure cette sur... Cette chaîne, ça m'apporte déjà un peu plus confiance en moi. Et puis, c'est mon petit cocon à moi. C'est là où je me sens bien, où je pense moins à la vie de tous les jours, au tracas, bref, à la vie de tous les jours. Donc, ça me fait du bien, ma chaîne YouTube, malgré que j'ai fait une petite pause de 1 mois sur ma chaîne YouTube. Hein, vous le savez pourquoi, je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, sachez que moi, quand je filme, je me force pas. Je filme parce que j'ai envie. Quand j'ai pas envie de filmer, je ne filme pas. Donc voilà, quand j'ai pas envie de faire de vlog, je ne vlog pas. Quand j'ai pas envie, tout simplement, je me force pas, parce que pour moi, ma chaîne YouTube, c'est une passion, c'est un moment entre vous et moi, donc je me force pas. Tout d'abord, je voulais vous remercier à vous de me suivre depuis le début, aux nouveaux abonnés aussi. Merci à vous tous et je voulais aussi remercier mon mari qui me soutient depuis le début de cette chaîne et que c'est lui qui m'a soutenue pour ouvrir cette chaîne, voilà. Moi je voulais faire YouTube depuis longtemps. Alors désolé si des fois j'ai du mal à m'exprimer ou des fois j'ai du mal à parler, mais j'ai un petit handicap pour ça, donc je préfère m'excuser. Oui et non, c'est moi-même, donc je ne changerai pas, je reste naturelle. Mais bon, pour les gens qui m'ont déjà dit t'as du mal à parler, à l'âge que t'as, il faudrait que t'ailles prendre des cours d'orthophoniste. Et ben, si vous n'êtes pas content, si j'ai du mal à m'exprimer, la porte est grande ouverte, vous pouvez vous désabonner. Bref, donc je voulais remercier mon mari parce que c'est lui qui m'a soutenue depuis le début et qui m'a dit si vas-y, crois en toi, tu t'en fous des gens et tout. Au début je voulais pas trop créer ma chaîne YouTube par peur qu'on se foute de moi justement pour ma grosseur, pour comment je parle et tout ça. Et en fait j'adore YouTube, j'adore, je n'arrêterai pas YouTube. Tant que j'aime YouTube, je continuerai. Le jour où j'en aurai marre de filmer ou de faire des vidéos, là j'arrêterai. Mais c'est pas tout de suite que j'arrêterai. Donc voilà, la vidéo est un peu de tous les sens. Donc je voulais vous remercier pour vos abonnements. Je voulais remercier aussi les copines parce que j'ai fait quand même des belles connaissances depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans exactement, j'ai fait des belles connaissances depuis l'année dernière. Donc je ne dirai pas les noms parce que vous les filles, vous allez vous reconnaître qui, je parle de qui. Il y a plusieurs filles et je suis contente de vous avoir connue virtuellement. C'est que du virtuellement. La seule personne que j'ai rencontrée, c'est Nancy 2 fois et je suis trop contente de l'avoir rencontrée en vrai. Mais les autres, pourquoi pas un de ces jours se rencontrer. Bref, je voulais remercier les copines. Voilà, je suis contente de vous connaître. Voilà. Aussi, depuis aujourd'hui, donc vendredi, samedi, dimanche, vous aurez 3 vidéos pendant 3 jours. Pour justement fêter mes 2 ans de YouTube. Donc, je vais arrêter le blablatage. Je vais vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer dans ce petit sac, quoi, petit grand sac. Tout d'abord, je vais vous présenter. Et après, en fin de vidéo, je vais vous dire les conditions. Donc, tout d'abord, ça sera un beau... Pour moi, c'est un beau concours. Donc, c'est un concours à petit prix parce que je peux me permettre de faire un concours à petit prix. Et je fais ça avec le cœur. Et ça vient de mon porte-monnaie, je préfère de le dire, ça vient de mes sous-sous. Tout d'abord, vous aurez des masques, donc un masque en tissu comme ça, de chez Action. Un autre masque en tissu bibule de chez Action. Et un autre masque pêche comme ça, de chez Action. Vous aurez un masque pour les mains de chez Action. La plupart des produits que je mets en concours, c'est des produits que j'aime bien. D'autres que j'ai déjà testés, d'autres que j'ai jamais testés, mais j'aime bien aussi vous faire plaisir. Donc vous aurez ce masque-là, moi c'est mon masque préféré pour les mains de chez Action, franchement il est top, il hydrate super bien les mains. Vous aurez un masque contour des yeux de chez Nocibé. Vous aurez une crème à l'argan et à la rose de chez Yves Rocher. Évidemment, les produits que j'adore de chez Yves Rocher, c'est le Monoeil. Donc vous aurez un petit produit au Monoeil, donc le gel douche et l'huile au Monoeil de chez Yves Rocher. Voilà, je le mets en concours. Donc les dates, c'est jusqu'au en 2023. Donc là, c'est mai 2023 et là, c'est en mois de février 2023. Donc voilà, utilisez ça cet été avant que ça se périme. Mais voilà, je vais les mettre en concours. Donc ça sera pour un de... Pour vous, quoi. Un de vous. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Voilà.
Ensuite, je mets en concours cette crème là. Je l'ai, moi, elle était à la base, elle était dans mon stock. Je vais pas vous mentir, elle est dans mon stock. Je l'utilise jamais. J'en ai une autre que Nancy m'a offert, donc je garde celle-là de Nancy et je vous offre celle-ci. Elle est jamais, elle est neuve, hein, vraiment, elle est neuve. Je l'ai pas ouverte, donc j'ai pas ouvert la boîte du moins. C'est juste qu'elle est plus sous plastique. C'est juste ça, mais elle est neuve. Donc la date de péremption février 2023. Donc voilà. Je vous l'offre, c'est une crème Yves Rocher et c'est pas, c'est de la bonne qualité Yves Rocher, donc je vous offre cette petite crème là. Ensuite, petit coup de cœur de chez Action Bougie, je sais pas si vous avez réussi à la voir, mais je vous offre la bougie Vanille Cookie qui sent trop trop bon de la marque Febreze. Voilà. Ensuite, je vous offre pour les ongles des faux ongles comme ceci. Donc moi à la base, c'est des faux ongles que j'avais acheté pour moi. Mais je n'utilise pas, donc ça ne sert à rien de les garder pour garder. Je préfère vous les mettre en concours. Il y a un paquet qui était à moitié destroy quand je l'ai acheté, mais je mettrai un scotch, un bout de scotch pour. Voilà. Je ferai tout correctement quand vous allez les recevoir chez vous. Mais je vous mets du coup ces trois paquets de faux ongles de chez Action. Voilà. Et au cas où si les certaines choses que je mets en concours et que vous gagnez, que vous n'aimez pas trop, vous pouvez faire plaisir à votre entourage. Ensuite. Qu'est-ce que je mets d'autre en concours pour les ongles? Je vous mets un vernis à ongles comme ceci, pailleté de chez Max Elmore, et un autre vernis comme ceci de chez Technique. Tout neuf aussi. Les produits que je vous mets en concours, tout est neuf, hein, rien n'est entamé. Hein. Ensuite, les choses les plus importantes, hop, en dernier. Ensuite, je vous offre un gel antibactérien. Merci Andy. Voilà. Je vous mets en concours ces petits pinceaux-là que j'ai eu à Nose. Voilà. Je vous offre un mascara Max Elmore. Une base Max Elmore aussi. Un highlighter liquide Max Elmore. Un eyeliner Max Elmore. Un baume à lèvres Max Elmore. Oui, il n'y a que du Max Elmore, mais j'aime bien. Un autre produit highlighter et aussi contouring Max Elmore. Et voilà. Et je vous offre un rouge à lèvres de la marque Makeup Revolution. Rose, comme ceci, c'est un rouge à lèvres gloss, quoi. Je vous offre un rouge à lèvres nude de chez Nose. Donc, le paquet était déjà ouvert, mais le rouge à lèvres est neuf, hein, j'ai regardé. Et je vous offre deux produits comme ceci. De la marque Makeup Revolution, c'est deux blushs liquides. À la base, je les avais achetés sur le Vinted Demi. Je croyais que c'était d'autres produits. J'ai mal regardé et en fait, c'est des blushs. Donc, je vous les offre pour vous. Et un autre mascara de la marque Technique. Et d'autres petites choses que le gagnant ou la gagnante verra. Voilà, des petits goodies en plus que je garde pour moi. Quoi que j'ai pour moi, que je ne vous montre pas. Vous aurez la surprise pour les gagnants ou la gagnante. Ensuite, je vous offre make-up. Donc, je vous offre cette petite palette-là. Que moi, j'ai déjà, que je vais vous montrer. Elle est là. Donc, c'était une palette de l'année dernière. Je l'avais achetée en double spécialement justement pour vous. Et elle est du coup comme ça. La mienne, elle est comme ça. Donc, ça sera comme ça aussi pour vous. Ensuite, je vous offre les crayons comme ceci, les nouveaux de chez Max Elmore. Et ces deux palettes-là aussi que j'ai... je ne les ai pas rangées, je les ai pris la dernière fois. Et je ne sais plus où je les ai mis. Ah, je suis embêtée là. Je voulais vous les montrer. Mais ils ne sont pas là. Mince. Faut que je les retrouve du coup. Je sais pas où je les ai mis. Bref, donc je vous offre ces deux petites palettes-ci. Donc, je vous montre comme ceci. Voilà comment elle est. Elle est très mignonne, surtout celui-ci. J'adore ce fard-là. Et ce petit fard-là aussi, il est trop beau. Voilà pour les trois palettes. Et la troisième, elle est là. Mais les autres, à moi, je sais pas où je les ai mis. Voilà. Hop là, pour les trois palettes. Voilà pour ce joli concours, franchement. Voilà, vous aurez d'autres petits goodies.
Ça sera bien filmé, pour ça j'ai gardé du papier bulle pour vos produits. Ça sera bien emballé. Alors, pour participer à ce concours, il y a bien évidemment des conditions. Première condition, c'est ouvert qu'à la France, donc que la France peut participer. Je suis désolée pour les autres. Et deuxième condition, la plus importante, c'est je fais cette petite chose-là parce que, en fait, je veux que ce soit des vrais abonnés qui gagnent mon concours, des abonnés fidèles que je vois souvent sous mes vidéos ou même qui regardent souvent mes vidéos, même si vous ne mettez pas de commentaires, je veux que ce soit des personnes qui me suivent fidèlement. Voilà. Donc, pour participer à ce concours qui sera validé, ça sera validé si vous me disiez la bonne réponse. Donc, la réponse, c'est il faut me dire le jour et la date de mon anniversaire. Voilà, je me répète, il faut me dire en commentaire le jour et la date de mon anniversaire. Et ça sera validé. Si vous êtes trompé, ça ne sera pas validé. Si c'est la bonne réponse, ça sera évidemment validé. Et je marquerai sur une feuille, du coup, qui a dit la bonne réponse. Voilà. Et ça ne sert à rien de me mettre « je participe » en dessous de mes commentaires. Je supprimerai le commentaire. Ça ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas le droit d'écrire, je crois, « je participe sous YouTube » en commentaire. Parce qu'autrement, la vidéo sera supprimée directement par YouTube, si j'ai bien compris. Quand je suis des gens qui font des concours sur YouTube. Donc, ça ne sert à rien de me dire « je participe », je supprimerai le commentaire. Voilà pour ces conditions. Il y a juste ça et aussi, évidemment, être abonné à ma chaîne YouTube. Je trouve ça normal de participer pour être abonné à ma chaîne YouTube. Parce que, voilà, ça ne sert à rien de s'abonner juste pour gagner mon concours et après vous désabonner. Non, non, ça ne sert à rien totalement. Moi, je veux que ce soit des personnes qui me suivent fidèlement. Voilà. Je crois que j'ai assez blablaté. Donc voilà, je me répète, ce n'est pas ouvert aux autres pays que à la France, que la France peut participer. Il faut dire le jour et la date de mon anniversaire et être abonné à ma chaîne, tout simplement. Ensuite, comment ça se passera? Ça se passera que je vais écrire les gens qui participent à mon concours et qui aura dit la bonne réponse. Sur un bout de papier, je ferai une petite vidéo, je montrerai qui aura gagné. Et ensuite, du coup, il faudra me contacter sur mon Instagram, voilà, que je mettrai juste ici, parce que moi, les mails, ça fait deux. Je préfère sur Instagram, je suis plus habituée. Donc, voilà. Voilà pour ce concours. Donc, je vous dis bonne chance. Bon courage à vous et je vous attends en commentaire. Vous pouvez quand même mettre des commentaires, même si les gens ne veulent pas participer, vous pouvez quand même mettre des commentaires. Moi, je vous fais des bisous. Du coup, je vous souhaite un bon week-end, même si on est vendredi après-midi. Je vous souhaite un bon week-end et bon courage. Et merci encore pour tout. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Et on se rejoint en commentaire. Bisous. Et au cas où, si vous avez des questions à me poser, posez-moi ça en commentaire. Allez, bisous. Bon courage à vous. Bye bye. Without you.